Salut coureurs des bois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps de ça dans la vidéo énumérant les projets de ma chaîne, je vous avais fait part de mon souhait de créer un lieu de partage, que ce soit des retours d'expérience, des astuces, j'en passe et des meilleurs. Donc grande nouvelle, ça va se faire très prochainement. Voilà, grâce à l'aide de Kyo Gnocchi de la chaîne Un Geek en Bivouac, qui est un passionné d'informatique et tout ce qui va avec, et aussi de bushcraft. Donc nous sommes en ce moment, après de divers contacts, en train de commencer à peaufiner tout ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y aura sur ce site. Donc déjà, premièrement, ce site, c'est vous, ceux qui voudront bien nous faire confiance et venir partager, donner leur impression, leur expérience, leurs astuces, enfin tout ce que vous voulez, c'est vous qui ferez ce site. Nous ne serons que des administrateurs, bien sûr. On s'occupera de la partie technique et de la mise en forme, mais c'est vous qui serez participant. C'est vous qui créerez le site que vous voulez. Donc voilà. Alors tout le monde est bienvenu. Voilà, on s'est mis d'accord. Que ce soit les bushcrafters, les puristes, on va dire. Voilà. Un peu mon style. Que ce soit des gens qui aiment simplement aller boire un petit café en forêt, voilà, tranquille, et faire quelques activités dans la verte, les randonneurs, même les survivalistes, voilà, tout le monde est bienvenu. Je pense que du moment que tout le monde ait un contact avec la verte, voilà. Donc dans ce site, il y aura beaucoup de choses qui seront mises en place, peut-être pas de suite, parce que ça prend du temps, comme vous pouvez vous en douter. Mais ça se fera au fur et à mesure, et plus vous serez nombreux à venir nous aider, à donner vos idées. Par exemple, en ce moment, première idée à donner, c'est le nom du site. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, laissez-les dans vos commentaires sur cette vidéo, ou écrivez-moi des messages privés avec vos idées. Toutes les idées seront prises en compte, c'est vous qui faites ce site, je le rappelle. Donc il y aura d'abord un forum, voilà, pour de l'information, des astuces, de l'aide. Il y aura une partie article aussi pour ceux qui ont envie de créer de petits articles, par exemple sur un sujet, par exemple, je ne sais pas, comment par exemple filtrer de l'eau, un exemple parmi tant d'autres, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est une question de partage, voilà, parce que ce site est ouvert aux entre guillemets professionnels du bushcraft, on va appeler ça comme ça, mais aussi à ceux qui débutent, et je pense qu'il est important que ceux qui ont plus d'expérience aident les plus jeunes ou les moins jeunes vers cette voie, dans cette voie. Voilà. Ensuite, il y aura un lien de téléchargement, alors je vous rassure, c'est gratuit, type MSN pour ceux qui ont connu, voire Skype maintenant. Alors, au départ, ça ne se fera les contacts que par écrit. La mise en place d'une vidéo, la vidéo et du son prend beaucoup de temps, donc d'abord on va faire par écrit. Donc ça permettra de communiquer plus facilement, comme Skype ou MSN, entre nous bien sûr, et de partager nos expériences plus facilement, ou demander des conseils, ou discuter de la pluie du beau temps, et bien sûr toute autre chose, voilà, mais qui reste quand même dans le cadre voilà, nature, sauvage, survie, bushcraft et autres. Donc voilà, ça sera un lien direct entre nous. Voilà. Ensuite, il y aura aussi un chat online. Voilà. Ça, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, tout le monde connaît. Il y aura aussi une partie où vous pourrez, par exemple, déposer des photos ou déposer des liens vers vos vidéos, par exemple, de YouTube ou d'autres supports de téléchargement. Sur le site pour les faire partager au plus grand nombre. Voilà. En plus de vos abonnés, ça
vous ouvrira peut-être de nouvelles portes et de nouvelles vues, commentaires et autres, et peut-être de rencontrer des gens voilà, ailleurs. Voilà. Sortir, disons, un peu du cadre juste familial, on va appeler ça, de YouTube. Parce que pour moi, mes abonnés, en ce qui me concerne, c'est un petit peu comme une famille, quoi. C'est, voilà. Ça, c'est mon avis propre. Et ça permettra de diffuser votre expérience plus largement. Voilà. Alors, si vous avez des idées pour agrémenter ce tout nouveau site, faites-nous en part. Voilà, que ce soit à moi-même ou à Kyo. Pas de problème, soit vous nous écrivez en MP, soit dans des commentaires, enfin c'est vous qui voyez. Ce site sera entièrement gratuit. Les frais de lancement et tout ça seront pris à notre charge, forcément. Après, je ne sais plus exactement, je crois que c'est dans les 75 euros à l'année pour pouvoir accéder à un serveur pour diffuser ce site. Si vous voulez vraiment vous lancer dans cette aventure à nos côtés proprement dit, pas de problème, voilà, si vous avez quelques centimes qui traînent, n'hésitez pas, voilà, c'est une aventure quoi, à tenter, c'est comme lancer ses premières vidéos sur YouTube, c'est une aventure à tenter. Après, on ne demande rien, c'est juste, voilà, si vous avez envie de vraiment participer un peu plus en avant, que ce soit par rapport aux articles et tout ça, vous êtes les bienvenus. Voilà. Sinon, rassurez-vous, vous serez quand même les bienvenus. Voilà. Donc ce site-là, on est en train de peaufiner grâce à divers contacts qu'on a, comment dire, sa structure, proprement dit, son plan. Dès que le site sera en bonne voie, de toute façon, dès qu'il y aura de nouvelles infos par rapport à ça, je vous en ferai part. Sans problème, bien sûr, forcément. Donc si vous-même vous avez des abonnés que ça pourrait intéresser, ça serait sympa voilà, d'en parler, de faire un petit peu de pub pour ce futur nouveau site qui va bientôt apparaître sur la toile. Donc ça serait sympa, quoi. Voilà, ça serait aussi une question de partage, quoi, vers d'autres abonnés pour une plus grande diffusion. Ce que je voulais dire pour finir, c'est que plus vous serez nombreux à venir le visiter, à vous en servir, à communiquer avec, tout plus ce site va s'agrémenter, oui, de divers articles, photos et autres, et plus ce site sera, comment dire, disons connu, on va dire. Il y en a certains que vous connaissez sûrement qui ont lancé des magazines qui marchent très fort et qui sont vraiment formidables. Au fait, le dernier Bushcraft Attitude est sorti, voilà. Donc vous tapez moteur de recherche Google par exemple, Bushcraft Attitude Magazine, vous allez voir, voilà, le dernier vient de sortir là, il y a quelques jours de ça. Je l'ai eu, il est génial comme les précédents, quoi, voilà. D'autres, ça fait partie de mes abonnés, et moi aussi je suis abonné à sa chaîne, vont se lancer dans un périple au Canada 500 ans après, en vivant à la façon des trappeurs. Donc ben, je les salue aussi parce que bon, c'est quand même courageux de leur part. Donc voilà. Donc certains d'entre nous se lancent au-delà des vidéos dans de nouvelles initiatives pour mieux faire connaître le bushcraft et tout ce qui s'en rapporte. Donc je pense que voilà. Bon, je sais très bien qu'il y a beaucoup de. Enfin, il y a certaines pages Facebook, qu'il y a des sites, qu'il y a des forums, qu'il y a des blogs à ce sujet-là. Mais bon, voilà, un de plus. Voilà, nous on veut faire quelque chose de convivial, ou voilà, vraiment de convivial. Vous me connaissez, moi j'aime la simplicité. Voilà, quelque chose de convivial, de simple, ou voilà. Voilà. Bon, sur ce, ben, les coureurs des bois, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce site pour l'instant. Je vais reprendre contact très prochainement avec Kyo Gnocchi pour en parler un peu plus, pour poser un peu plus des bases et tout ça, et dès qu'il y a une nouveauté, ben, je vous en ferai part, voilà, par exemple au cours d'une vidéo qui n'aura aucun rapport avec ça, mais je ferai un petit entrelac pour vous en parler. Donc j'espère que ben, ça vous plaira. Alors pour ceux qui auraient quelques appréhensions, voilà, parce que quand j'ai parlé de ce sujet
qui me tient beaucoup à cœur, je vous le dis franchement, ça me tient vraiment à cœur. Certains qui pensent à mon bien, voilà, je ne les citerai pas, mais se reconnaîtront, voilà. Je vous rassure, ce site ne prendra pas le pas sur mes vidéos en extérieur. Parce que moi, je suis plus un homme des bois, ou même un fourreur des bois, comme un certain petit moustique me dit souvent. Au passage, je le salue. Et voilà, moi, je suis plus à l'extérieur que collé devant un ordinateur. Donc, rassurez-vous, ben là, la prochaine vidéo, ça va être consacré au TPC. Ça sera la dernière vidéo sur le piège à coller, enfin le coller avec une technique de piégeage différente des autres. Voilà, ce sera la dernière. Après, il y aura normalement tout ce qui est piège à volatile. Voilà, que ce soit piège filet, assommoir, enfin vous verrez bien. Et ensuite, pour finir, alors soit suivant le temps aussi, vous aurez des vidéos sur le futur bivouac qu'on va faire avec Horvath JP. Au passage, allez voir sa chaîne aussi. Salut voisin. Soit vous aurez technique de chasse et fabrication de matériel de chasse, arc, flèche, sagaie, enfin ouais. Voilà. Et ce qui clôturera normalement la série chasse. Et ensuite viendra la série pêche, technique de pêche, matériel de pêche, voilà, fabriquer une canne à pêche, fabriquer une nasse à poisson. Un filet aussi, parce que j'ai un défi à réaliser, voilà, qu'un petit moustique m'a lancé il y a quelques temps de ça, et je tiens à relever le filet. Oh là, je tiens à relever le défi, vous voyez, j'y pense déjà. Donc voilà, vous verrez bien la suite. Voilà. Bon, sur ce, les coureurs des bois, je vous remercie tous. Alors là, j'en suis à 300 abonnés, enfin, 299 exactement, j'en suis à 300 abonnés. Je sais qu'il est de coutume de faire un genre de petit concours, un truc comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à penser. Donc, je vais le retarder un petit peu, mais promis, voilà, je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Et puis, si, dernière news, on va dire, la vidéo sur la fabrication du couteau étant montée et en boîte, elle devra arriver aussi prochainement. Voilà, je l'ai promis. Bon, malheureusement, le couteau, je ne l'ai plus parce que je l'ai remis à la personne qui me l'avait demandé. Alors, tant que je suis là, elle en est entièrement satisfaite. Donc, c'est très bien. Enfin, il en est entièrement satisfait. Parlons français quand même. Donc voilà, il est très heureux de l'avoir, il marche très bien. Enfin, voilà. J'en suis très content aussi et je le salue au passage. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite. Bushcraftez bien, éclatez-vous dans la nature et protégez-la. Allez, à plus les coureurs des bois et encore merci pour tout.